Depuis 7 heures où tu es. Ouais, je garde. Et avec un petit peu de retard. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maurice. Bravo. Bravo. Tu vois, 1974, c'est mon année de naissance. Ah, pour Boris, c'est tellement une famille nombreuse, Marie. Papa? Tu sais, demain, je vais venir avec quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je m'en sors plus entre le cabinet et les enfants. C'est juste trop, là. Une poire. Apporte-moi une poire. Alors ici, vous avez tous les produits pour le ménage. Ici, le fer à repasser. Là, l'aspirateur. Alors, pour les médicaments? Ici, vous avez le lundi. Matin, midi et soir. Ensuite, ce sont les mêmes jusqu'à la fin de la semaine. Le mercredi après-midi, les week-ends, vous avez congé. C'est moi qui m'occuperai de lui. Ah oui, pour son diabète. Il faut faire très attention, hein, surtout rien de trop sucré. Voilà. Je m'appelle Daniela. Je m'appelle Daniela. Bonjour. Ton
Venez, je vous aide. Je suis encore capable de m'habiller tout seul. Trop froid. Je vais mettre un peu de shampoing. Attention aux yeux, hein. Suivez-moi.
dramatique. Bonjour. Bonjour. Non, laissez, je m'en occupe. Allez plutôt vous préparer. T'as eu de la visite? Non. Tu l'as bu tout seul? On l'a bu hier soir. Mais reste assis, papa. À bientôt, Daniela. Au revoir. Je compte sur vous pour que tout reste propre. Ça vous dirait de venir à l'opéra ce soir? Madame Florence, vous êtes déjà là? Comme vous voyez, oui. Je pensais justement nettoyer. Il n'en a pas mangé, au moins. Je vous ai pourtant recommandé. C'est toi. C'est un cadeau. C'est moi qui lui ai donné le bracelet. Pardon? Tu lui as donné le bracelet de maman? Enfin, t'as perdu la tête. Daniela, vous allez me faire le plaisir de rendre ce bracelet à mon père. C'est inqualifiable de profiter ainsi d'un homme âgé. Florence, je suis âgé mais pas encore sénile. Je fais ce que je veux de mes affaires. J'ai donné ce bracelet à Daniela. Je te prie de pas t'en mêler. Enfin, papa, tu peux pas faire ça, tu sais comment elle y tenait. Je comprends pas. En effet, il y a bien des choses que tu comprends pas.
Écoutez, Daniela, prenez votre soirée. Je m'occupe de lui. Daniela, vous restez là. Florence, quand tu auras fini avec tes courses, tu pourras disposer.